Il avait le VIH, il ne m'a pas dit. Donc, il voulait me venger. Parce qu'il me draguait. Ça faisait 6 mois qu'il me draguait. Donc, je ne voulais pas accepter au début. Alors, il a forcé. Quand j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, on a gré. C'est-à-dire, trois fois comme ça. Maintenant, c'est la troisième fois, il me dit que, il a le VIH et tout. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de t'engager, en fait? Il dit non, qu'il ne savait pas et tout, d'être allé faire pour moi. Donc, je suis allé faire mon test et c'est positif. Alors, je ne lui ai pas dit. Parce que les membres de sa famille ne connaissaient pas. C'était une relation un peu cachée, là. Donc, pour me venger, il a commencé à mener mes enquêtes. Et après ça, quand j'ai su, il a connu ses trois petits frères. Et puis là, il a commencé à sortir avec eux. Il lui a donné à son petit frère, à ses trois petits frères. Maintenant là, j'attaque maintenant son papa. Donc, je ne sais pas si je fais bien, mais je suis vraiment en colère. Parce que comment il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il a le VIH, il ne me dit pas. Ça me fait très mal. À mon si jeune âge, je n'ai que 25 ans. Donc, ma coach, conseillez-moi parce que son papa m'est déjà dans ma vie. On fait comment? Allô, ma coach? Mais attends, je ne sais pas. Mais ses parents ont quoi à voir dans ça? Ma coach, ça me fait très mal parce qu'il devait me dire. Depuis l'autre, il devait me dire, il ne m'a pas dit. Donc là, je suis arrivée chez son papa. Donc, lui aussi, après il avait fini avec ses petits frères, je lui ai envoyé ses nos conversations et tout ça, pour dire que ouais, il est fait. Et maintenant, j'attaque son papa. Et là, il veut dire à son papa, ou bien il ne sait pas. Donc, je ne sais pas si, pour l'instant, il n'est pas encore tué son papa. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Mais le diable se transforme en être humain pour se promener sur cette terre. Ma coach, ça fait très mal. Donc là, maintenant, là, c'est lancé. Et puis, elle rigole. Si elle veut avoir même tout, ça va me mal. Il veut. En plus, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Il y a quoi de marrant dans ce que tu dis, la maman? Il faut que je me venge. Là, ce moment, il doit attaquer maintenant ses cousins. Parce que là, il veut. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Allô, ma coach. Mais dis donc, ma chérie, ça me dépasse. Ça, là, franchement, ça me dépasse. Ta dose de vengeance ici, là. Moi-même, je suis choquée. Je n'ai jamais vu ça. C'est très dangereux. Il aurait dû me dire. Oui, mais s'il t'a pas dit, et qu'il t'a dit après, pourquoi tu t'en vas gré avec ses frères jusqu'à maintenant, tu vas vouloir gré son papa? Pourquoi tu fais ça? Eux, ils ont quoi à voir dans tout ça, là? C'est que tu vas détruire toute une famille, quoi. Oui, ma coach. C'est parce que je vous suis depuis longtemps. Mais je voulais vous appeler plus tôt. Mais bon, là, mon cœur était trop monté. Il fallait que je fasse ça d'abord avant de vous appeler. Mais là où je suis arrivé, là, je vais finir avec ça. Elle, papa. Donc. Ma chérie, je te descends parce que là, maintenant, on est chez Lucifer, là. Je ne suis pas des.